Vous m'avez appris la chose la plus importante de toute ma jeune vie. Oh. Les amis sont là pour s'entraider. C'est pourquoi je dois le faire. Sierran, celle qui m'a accompagné, ma première accompagnatrice du prieuré. La victoire à Fort Trinité prouvera au monde que nous pouvons résister aux dragons. Fort Trinité, juste avant de vaincre Zaitan. L'œil de Zaitan. Nous pouvons atteindre Ara et détruire Zaitan avant que l'infection du dragon ne nous tue tous. Pourquoi il y a des araignées dedans? J'entends le bruit du dragon. On peut taper les veuves noires? Je vais taper les veuves noires. Ah. Alors, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil. Ouais, au domaine de Grant. C'est quoi? L'outre-monde. Parce que c'est là où, dans Guild Wars, premier du nom, on pouvait avoir les veuves noires. Ah, joli clin d'œil. Si c'est ça, ce clin d'œil, si j'ai vu juste, bah déjà, un, je serais content d'avoir trouvé ce clin d'œil. Et deux, bah, ça serait sympa. Ah, ça c'était c'était au moment du combat contre Zaitan. On a réussi, mais il a fallu nous unir face à un ennemi surpuissant. Vous nous avez montré la voie. Je vous suis reconnaissant, commandant. Vous avez beaucoup fait. Votre destinée. Cette nuit, je l'ai vue. Ah. J'ai regardé au fond de l'abysse, et elle m'a observée en retour. C'est puissante. Je ne sais plus distinguer le rêve du réel. Scarlett, Sierra. Ça aussi, ça, c'était un... c'était magnifique, ça, n'empêche. Ah, l'arche du lion détruite. Le chaos mécanique, la marionnette. La saison 1. De l'histoire vivante de Guild Wars 2. Écoutez, elle baisse son bouclier quand elle attaque. Utilisez cette faille. Achevez-la, maintenant. La fin de la saison 1. Elle est par destinée là-bas. Je rappelle, pour la saison 1, je suis le seul francophone à avoir tout tourné, tout ce qui s'est passé de A à Z. Et j'en suis très fier, et sur ce point-là, j'aime bien le rappeler. Imbécile, vous pensez que ma mort vous sauvera trop tard. Je peux te réachever. Ah, je peux pas utiliser le taplane non plus, tiens. Oui, c'est elle qui a essayé, qui a réveillé Mordremoth. Il y a une chose que je ne peux plus protéger. Vous devez comprendre son importance pour l'avenir de la Tyrée. L'œuf d'Oren. Ici. Les légendes disaient vrai. Un œuf de dragon. Tu ne partiras pas avant de m'avoir dit la vérité. Paulaine, tu n'as pas à faire ça. Nous descendons du dragon de la jungle. Nous lui appartenons. Nous devons le servir. Il y a quoi dedans? Juste des cages vides. D'accord. Bon.
Alors, il y a où la destinée là-bas. Avec tout le boulot qu'on avait ici, la flotte du pacte a peut-être déjà mis les voiles. Continue, c'est intéressant de voir tout ça. Ravi de vous voir, commandant. La situation est désastreuse. Le début de Heart of Thorn. On a anéanti la flotte et le pacte avec elle. Très peu de choses sur la saison 2 d'Histoire Vivante. Je ne fais plus confiance au Sylvari, et vous devriez faire comme moi. Ouais, tout le monde était avait la psychose par rapport au Sylvari. Ah non. Maman, attention. Ah, c'est moche. Me faire revivre ça. Les exalter. Le petit Debril vous a choisi. Canalisez ce don pour emporter l'œuf au lieu sûr. Allez les rejoindre. Confrontez Mordremoth. Peu importe l'issue de votre mission, sachez que vous avez rendu espoir à Tahrir, ainsi qu'au monde entier. Alors là, Nina, elle doit être sur le cul. Tout ce que j'ai fait n'empêche. Ah, Traherne. Vous devez me tuer, commandant. Avant que cette graine ne germe. Avant que Mordremoth ne réclame ce qu'il a perdu. Désormais, ce créateur a été vaincu. Que deviennent alors les Sylvari? Quelle est notre place dans ce nouveau monde que nous avons créé? On grimpe. Les gardiens de l'éternité. Ça me plaît. La Tyrie dormirait sans doute mieux si le pourfendeur de dragons venait une nouvelle guilde. Du jeu, c'est de pas tomber, on sera encore capable. Alors il n'y a que vous qui puissiez décider de terrasser un dragon? Que vous qui ayez l'autorisation de les tuer? Ça savez quoi, commandant? Vous avez bien fait de ne pas rejoindre les héritiers du destin. Ma mère n'aurait pas voulu de vous. Ah, c'est la saison 3, quand Bram n'était pas d'accord avec notre choix. Sacrifierai ma vie pour... Comment devrions-nous l'appeler? John C. Son nom est Oren. Je suis le dernier Murstat. Autrefois, vous me connaissiez sous le nom de Lazarus le Sinistre. Je suis de retour des confins de l'existence. Ouais. Qui s'est avéré ne pas être Lazarus. Mais qui se ferait passer pour Lazarus? Non. Mais ce n'est pas possible. Ah, et là c'est enflammé. Donc je suppose que c'est un lien avec le dieu du feu et de la guerre. Retournez voir le juge. Bon, je pense que je meurs si je tombe d'ici. Quoique, je suis déjà mort. Ouais. Excellent. Je suis content de ma connerie. Alors, les esprits peuvent nous tuer, mais pas la chute. Ah, c'est trop excellent.
Hop, hop. Allez, le juge. Il est où, le juge? Il est vachement loin, le juge. Toujours pas de monture? Toujours pas de monture. Je suis Boulan, commandant du pacte. Et je viens réclamer ce qui m'est droit, ma vie. Votre foi envers les dieux va être récompensée, noble esprit. Avancez, et je vous mènerai à votre ultime récompense. Vous devez me laisser repartir. Ça y est, je vous vois clairement, commandant. Balthazar vous a tué, et pourtant vous voulez retourner l'affronter. Balthazar a causé de gros dégâts ici. La magie dont il se sert pour pervertir les esprits ébranle les fondations du domaine des égarés. Mais je ne peux pas vous aider. Si seulement je pouvais repartir, si j'arrive à le vaincre, ça réparera peut-être les dégâts qu'il a infligés à nos deux mondes. Ah. Il est trop tard. Votre corps ne renferme plus de vie. À moins que... Il y a toujours une solution. Quand Balthazar est parti, une terrible créature appelée le Mangeur d'âmes s'est mise à absorber le peu d'énergie vitale qu'il restait aux esprits d'ici. C'est sûrement les cris que j'ai entendus au loin. Si vous arrivez à la terrasser et à prendre sa puissance, votre énergie vitale sera peut-être suffisante pour ranimer votre corps. Ah, bien. Et vous pourrez repartir. Mais si vous échouez, le monstre vous consumera. J'accepte. Je ne pourrai pas vous accorder d'ultime récompense ni châtiment. Votre esprit cessera simplement d'exister. Je prendrai le risque. Maintenant que j'ai retrouvé ma raison d'être, je dois rentrer et terminer ce que j'ai commencé. Alors, au nom de Grant, terrassez le mangeur d'âmes et ressuscitez. Allez rappeler à Balthazar que personne n'échappe au jugement. Non. Son jugement dernier sera moi. Ah, le v'là. Je le vois là-bas. Le mangeur d'âmes. Un champion. Toujours pas. Ah, la bouche. Une bouche de Balthazar. Il inflige quand même pas mal de faiblesse. On va attendre qu'il refasse à... Là, tu n'absorbes rien du tout. Thank you.
Allez, on est à la fin. Assez concentré le Nico. Je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai trouvé un moyen de repartir. Et je réussirai là où vous avez échoué, en éliminant Balthazar. Tant mieux pour vous. Tant de crans d'aveuglement. Mais allez-y, je vous en prie. Toutefois, vous oubliez un détail crucial. Balthazar possède une armée. Avez-vous une armée, petite? Il a pas tort. Eh bien, moi, oui. Une armée qui n'a rien à envier à celle du dieu déchu. Nous savons tous les deux que sans mes soldats éveillés, vous n'avez aucune chance. Vous avez peut-être raison. J'ai besoin de votre armée, mais je n'ai pas besoin de vous. Quoi ? Non. Les éveillés me sont fidèles. Ils n'obéiront qu'à leur bien-aimé monarque divin. Vraiment? Vous savez qu'en votre absence, votre armée obéit au croissant mordant. Je l'ai vu et je saurai m'en servir. Je vous avertis, ne me laissez pas ici. Je vous l'interdis par décret royal. Désolé, votre majesté, mais de ce que j'ai pu en voir, votre royaume se porte mieux sans vous. Alors, je veux pas te dire, mais il y a le portail. Palawajoko, pour se venger, il est très fort. Quand je prends ce qu'il a fait, je me trompe de côté. Sur Nightfall, donc il s'est vengé et il nous a bien aidé. Et là, je suis sûr qu'il vu qu'il a été emprisonné par Balthazar, il ferait quelque chose de bien pour se venger, vraiment, mais je pense qu'au bout d'un moment, il... Oh, il n'y a pas la... Ce sacré gravité. Il, comment dire, il retournerait sa veste et puis il foutrait le bordel encore en Elona. Ici, pathétique mortel. C'est votre dernière chance. Je reviendrai et je reprendrai mon trône. Je me vengerai de tous ceux qui m'ont laissé ici, abandonné, et qui ont osé tirer profit de mon absence. La torture. Oui, je sais déjà ce que je leur réserve. Et lorsqu'ils cesseront de prier que je les épargne, pour supplier que je les achève, je leur rirai au nez. Ouais, comme le roi d'épines. Mais vaut mieux qu'il a assez foutu le bordel pendant 250 ans et vaut mieux qu'il reste là quand même. Reculez! Commandant! Est-ce que c'est... C'en est assez. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'aviez dit que le commandant était mort. J'étais mort, Taimi. Mais je suis revenu. Mais ce n'est pas comme ça que la mort fonctionne. Elle n'a pas tort, là. Nous avons tous vérifié, commandant. Et vous n'étiez vraiment plus de ce monde. Et c'est toujours le cas. C'est un piège. Casimir, ça vient de toi? Ce n'est pas une illusion. Pas moi. Je suis vivant. Et je suis bien le commandant. Donnez-lui un petit coup. S'il est tout mou, c'est une momie. S'il est caoutchouteux, c'est un éveillé. Et si vous n'y arrivez pas, c'est un fantôme. Personne ne va donner un petit coup au commandant, Taimi. Écoutez-moi. Balthazar détient Auray. Nous le savons déjà. Il était en train de l'emmener au sud, vers Kalkatorik, quand nous sommes arrivés. Nous avons essayé de l'arrêter, mais il y avait trop de forgés. Et je déteste annoncer de mauvaises nouvelles. Mais il semblerait que Balthazar ait réussi à lever une immense armée de forgés. C'est comme s'il les fabriquait plus vite qu'on ne peut les détruire.
C'est bien pour ça qu'il nous faut notre propre armée. Et il se trouve que j'ai croisé quelqu'un au domaine des égarés qui m'a indiqué où en emprunter une. Emprunter une armée? Le domaine des égarés? Hurrah! Nous avons un plan! Cass, est-ce que tu as quelque chose qui nous permettrait de changer d'apparence? Oui, mais rien qui puisse nous transformer tous les quatre en armée. Ce n'est pas nécessaire. Il faudra juste nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Dès que j'aurai fabriqué une petite histoire. D'accord. Je me tiens prête, alors. Et moi, je pars tout de suite pour le casino d'Amnoun. Si vous pouvez revenir d'entre les morts, je double la mise sur vous. D'accord. Je vous préviendrai dès que le moment sera venu. Oh, commandant, ça fait plaisir de vous retrouver. Destiné. C'est vrai que Kanak a misé sur nous, sur notre victoire. Oui. On va... Ça a l'air d'avoir de la valeur. Alors, ça... Et encore ça. Pourquoi un point de maîtrise? Donc... On va... retrouver Balthazar. On va... retrouver Oren. Et je jure... devant les 5 dieux qui restent... que s'il a fait du mal... à Oren... je lui brise la nuque. Mais 3 fois. Et c'est pas le domaine des égarés qui va le sauver pour une fois. Je suis revenu à la vie pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt.